Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais juste faire une petite vidéo mise à jour et questions fréquemment posées parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Puis je voulais pas simplement juste mettre le message sur Facebook parce que vous seriez pas assez à l'avoir vu. Donc, il y a comme 6 petits points que j'ai inscrits sur ma feuille que je dois voir avec vous. C'est très sérieux, non? Premièrement, je voulais vous dire qu'il y a énormément de personnes qui m'écrivent soit des messages, des commentaires, autant sur YouTube que sur Facebook. À savoir si je pourrais faire une vidéo sur tel ou tel sujet. Le problème, c'est que la majorité du temps, j'ai déjà répondu à leurs questions en vidéo. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui, on dirait, qu'ils se donnent pas la peine de faire un petit peu de recherche ou qui trouvent plus simplement la vidéo qu'ils avaient déjà vue, donc ils savent que j'en ai déjà parlé, mais ils la retrouvent plus. Donc, je vais vous donner un truc très très simple quand vous cherchez des vidéos sur ma chaîne. Je sais que ça a l'air niaiseux pour certains d'entre vous, mais je reçois tellement, tellement de messages là-dessus. Alors, j'étais un petit peu tannée, honnêtement, de répondre, surtout quand les gens se donnent pas la peine. Je pense que si tout le monde faisait l'effort de chercher 2 secondes, je pourrais sauver beaucoup de temps. Parce que moi, prendre mes messages le soir, les messages concernant YouTube là, seulement, ça peut prendre minimum 2 heures à chaque soir. Donc, c'est énormément de temps. Puis, c'est du temps que je pourrais reprendre en vous faisant des vidéos. Donc, pensez à ça. Je vois souvent sur ma page Facebook les gens qui répondent pour moi, genre, oui, elle a déjà fait une vidéo sur les huiles essentielles. Donc, là, je suis comme, ah, yes, merci, tu sais, ça m'aide. Si vous voulez le faire, ça me dérange pas du tout. Si vous avez une réponse à une question, allez-y. Mais sinon, dans le fond, je vais vous expliquer. C'est vraiment facile de trouver une vidéo sur YouTube. Normalement, vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Donc, quand vous allez dans vos abonnements ou quand vous tapez Cynthia Duluth sur YouTube, vous tombez sur ma chaîne quand vous cliquez sur mon nom qui est le petit lien en bleu là, sous la vidéo. Puis là, quand vous êtes sur la page officielle comme de ma chaîne, vous allez avoir ma bannière en haut. Là, quand vous cliquez sur l'onglet parcourir les vidéos ou vidéos, vous allez voir toutes mes vidéos par date d'ajout. Juste en haut à droite, vous avez la barre recherche. Et là, vous pouvez taper votre mot, qu'est-ce que vous cherchez. C'est-tu des cernes, c'est rouge à lèvres, gloss, fond de teint, peu importe votre question, mettez le mot qui correspond le plus, puis vous allez voir toutes les vidéos qui sont associées que j'ai fait vont sortir. Ça prend quoi? Vraiment 2 secondes? Ça prend quasiment plus de temps que si moi je vais chercher puis que je vous réponds puis que je vous mets le lien de la vidéo. Donc c'est super facile à trouver. Puis si jamais vous trouvez pas, il y a aussi les playlists. Je sais pas si vous les regardez de temps en temps. Nous sur YouTube, on fait ça spécialement pour vous dans le fond, pour vous aider à les trouver. Donc moi j'ai une playlist juste avec des tutoriels de coiffure, juste avec des maquillages de stars, des maquillages d'Halloween, juste mes vidéos psycho. Donc ça peut vous aider si vous cherchez un sujet précis. Donc s'il vous plaît, avant de me demander si j'ai déjà fait telle ou telle vidéo, parce que là en ce moment je suis à plus que 130 vidéos, donc ça peut être assez long à chercher, mais vous avez juste à taper le mot-clé, puis tapez pas dans la barre de recherche de YouTube. Si vous voulez trouver une vidéo que j'ai déjà fait, ben vous tapez dans mes vidéos à moi dans la barre de recherche. Super facile, mais je tenais à vous le dire parce que je perds beaucoup de temps à répondre à ces commentaires-là. Maintenant, ma deuxième chose que je veux parler, c'est mon blog, parce que j'en ai parlé une fois dans ma vidéo Bonne Nouvelle cet été, mais je dois dire que... Je suis contente, il y a quand même de l'achalandage dessus, mais peut-être pas autant que j'aurais espéré. En fait, en ce moment où je vous parle, vous êtes 2000 inscrites dessus versus 62 000 et plus sur YouTube. Donc je trouve pas ça vraiment beaucoup le ratio blog-YouTube. C'est sûr, les vidéos, ça peut être plus intéressant. Je vais vous avouer que moi aussi, quand il y a d'autres YouTubers qui me disent « Allez sur mon blog, allez sur mon blog », j'y vais jamais. Mais mon blog, il est différent. Premièrement, il est super beau. Si vous êtes déjà allé, vous êtes inscrite, c'est sûr, c'est automatique. Puis deuxièmement, c'est une source d'information qui est complémentaire à mes vidéos YouTube. Donc si vous voulez avoir encore plus d'infos, des choses que je ne ferai pas en vidéo forcément, allez voir sur mon blog, c'est super bien classé par catégorie. Vous allez voir, c'est vraiment super clair de se retrouver encore là par mots-clés. Vous allez tomber soit sur toutes mes vidéos ou sur mes astuces, donc mes articles. Il y a aussi une section look pour vous inspirer avec plein de photos d'inspiration. Puis il y a aussi une section produits où chaque produit que j'ai testé, je le mets comme dans une petite bibliothèque virtuelle, puis je vous donne directement la note sur le produit puis qu'est-ce que j'en pense. En ce moment, il n'est pas encore ouvert, mais il va avoir aussi le forum. Donc, si vous avez des questions sur la beauté, ça va super bien pour jaser sur mon blog. Finalement, dernière raison de vous convaincre de vous inscrire à mon blog, c'est parce que quand je fais des concours, j'en fais pas tellement souvent pour l'instant, mais ça va venir, c'est sûr. Comme là, j'en ai un qui s'en vient avec des bijoux. Si ça vous intéresse, allez sur mon blog parce que mes concours, pour l'instant, ils sont juste sur mon blog. Donc, vous devez être inscrite à mon blog et à ma chaîne YouTube. Mais c'est important que votre vote, votre participation se fait via le blog. Donc, c'est ma dernière et très bonne raison de vous inscrire à mon blog. Évidemment, c'est gratuit.
Maintenant, vous avez vu ma vidéo sur l'image corporelle, vous avez été vraiment très favorable à l'idée d'une journée bébé. Vous m'avez toutes dit oui à 200%. Donc c'est sûr que je la fais. Le 15 décembre, c'est décidé, pas de problème pour moi. Donc on va faire ça samedi le 15 décembre. Je vais publier la vidéo soit le jour même ou la veille. Par contre, je vais créer un événement Facebook. Si vous voulez rejoindre, comme participer, le partager avec vos amis, il va avoir la liste des ingrédients pour les recettes maison naturelles que je vais faire. Donc vous serez pas mal pris le jour de la vidéo si vous avez pas ce qu'il faut. Je vais vous le dire en avance. Donc c'est ça, j'ai vraiment hâte de le faire. Je suis en train de préparer ça, essayer de faire ça le plus simple, le plus efficace possible. Donc vous pouvez tout de suite aller rejoindre l'événement Facebook. Je vais ajouter plus d'infos bientôt. Mais sinon, c'est ça, c'est juste pour vous confirmer que oui, je vais le faire. Et sinon, par rapport aux réseaux sociaux, je voulais revenir là-dessus très rapidement. Parce que des fois, les gens, ils sont pas sûrs que si j'ai une page Facebook et tout, mais oui. En fait, vous avez les infos, tout ce qu'il faut savoir, entre autres les produits que j'ai utilisés dans une vidéo. Toutes les infos pertinentes sont toujours sous la vidéo. Quand vous cliquez dans plus d'informations, là, y a une petite boîte qui s'ouvre, puis vous allez voir toutes les informations. Et là-dessus, il y a toujours mes liens pour me suivre aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter. J'ai Instagram aussi, j'ai Pinterest, Google+, je les ai tous. Donc, vous pouvez aller me suivre sur votre réseau social préféré. Celui sur lequel je suis le plus active, c'est vraiment ma page Facebook qui s'appelle Cynthia Dulude ou Cynthia Dulude Maquillage. C'est pas mon compte, là, c'est vraiment une page. Donc là-dessus, souvent vous allez me poser des questions. Vous pouvez poster des photos aussi, des looks que vous avez faits. Et ma page Facebook est très utile parce que c'est là que je vous informe de tout ce qui se passe. Donc de mes prochaines vidéos, vous allez être les premières à le savoir en exclusivité. Souvent je vais mettre des photos aussi de mes looks qui s'en viennent. Donc c'est super interactif et c'est le fun. Donc je vous invite fortement à aller faire un petit j'aime sur ma page. Comme ça vous allez être tout au courant s'il y a du retard dans une vidéo. Peu importe, vous allez le savoir. Par rapport au retard des vidéos, ça aussi je voulais vous en parler parce que vous savez, je sors une vidéo par semaine, donc à tous les 7 jours. Sauf que des fois j'ai des retards de 1, 2, 3, 4 jours. Ça, il y a deux raisons. Soit je suis trop occupée parce que oui, je suis assez occupée. J'ai plusieurs emplois divers dans le maquillage, donc ça m'occupe pas mal et de plus en plus, je vous dirais. Et la deuxième raison, c'est que en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes avec mon internet. Ou des fois, c'est YouTube aussi qui font des mises à jour, donc c'est impossible comme d'uploader une vidéo correctement. Donc si j'ai des retards, ben je le dis sur ma page Facebook puis je me sens tellement mal, c'est drôle. Ça m'arrive souvent ces temps-ci, c'est juste pour vous avertir, j'ai beaucoup de problèmes à uploader mes vidéos qui sont assez grosses comme vous le savez. Donc je m'excuse pour les petits jours d'attente et de délai. Donc il me reste deux points à parler avec vous. Il y a encore des gens qui me demandent sur ma chaîne comment on fait pour s'abonner. Donc je vois que c'est pas clair pour tout le monde, je vais en parler très rapidement. Pourquoi on devrait s'abonner à une chaîne? En fait, tout ce que ça vous prend, c'est un compte YouTube, un compte Google, c'est la même chose. Bien sûr, c'est gratuit. Quand vous avez ça, vous pouvez uploader vous-même des vidéos, vous pouvez en regarder d'autres, les mettre dans vos favoris, les mettre à regarder plus tard, etc. Et vous pouvez vous abonner à vos chaînes préférées. Ça aussi, c'est gratuit. Tout ce que ça fait, c'est que ça vous informe quand la personne sort une nouvelle vidéo. Fait que les gens qui me disent « Oh, je vais voir à tous les jours si tu sors une nouvelle vidéo », c'est inutile parce que si vous cochez pour recevoir comme la news de YouTube, ben chaque semaine ils vont vous dire tous vos abonnements c'est quoi. Donc c'est à ça que ça sert s'abonner. Il y a quand même beaucoup de gens qui me posent cette question là, ça sert à quoi? C'est juste pour être au courant, avoir une notification. Puis il y a une deuxième raison à ça, je vais pas vous le cacher, il y a quand même une certaine compétition sur YouTube, là on peut s'imaginer, on calcule pas mal la popularité de quelqu'un sur YouTube par rapport à son nombre de vues et son nombre d'abonnés. Puis c'est sûr que nous, plus on a d'abonnés, plus ça nous fait chaud au cœur de voir qu'il y a X nombre de personnes qui nous suivent à travers le monde. Donc pour s'abonner, c'est aussi pour montrer votre support. Donc quand vous aimez une chaîne, si vous avez regardé, moi je dis au moins 2-3 vidéos de cette personne-là, puis vous avez un coup de cœur, abonnez-vous. Moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune d'aimer certaines vidéos, des tutoriels de maquillage, puis j'ai jamais retrouvé la personne après parce que je me suis pas abonnée. Donc bref, je trouve que c'est juste une bonne façon de montrer votre support, de vous abonner, puis c'est gratuit. Donc ça change absolument rien pour vous, c'est juste positif pour vous et pour moi. Donc merci en passant aux 62 000 personnes aujourd'hui qui se sont abonnées, ça me fait vraiment très plaisir. Et je termine en vous disant justement en exclusivité les prochaines vidéos que je compte faire. Vous me demandez énormément si je vais faire un tutoriel sur les yeux verts parce que j'ai fait brun et bleu. Ben oui, c'est sûr, je vais pas vous oublier les yeux verts. J'attendais juste de trouver une modèle. Donc là, c'est réglé, je devrais vous filmer ça dans quelques semaines. Sinon, c'est sûr
sûr que je vous fais des maquillages pour le temps des fêtes. Au moins deux, je vous dirais, tout dépendant vraiment combien de temps j'ai, parce qu'on est déjà fin novembre. Donc c'est sûr que je vous en fais au moins deux pour le temps des fêtes. J'en ai fait un l'autre jour aussi que je me pratiquais sur moi juste comme ça. J'ai beaucoup aimé. C'est juste simple, facile, mais super efficace pour faire des beaux yeux. Donc un maquillage plus tous les jours, je compte vous en mettre un autre aussi. Je vais avoir une coiffure, en fait, est déjà filmée. Il faut juste que je fasse le montage, puis c'est assez chic comme mes autres tutoriels de coiffure, donc ça aussi je vais vous le sortir dans le temps des fêtes. Je vais aussi faire un maquillage de star, mais ça sera pas une star en particulier, ça va être un look tapis rouge. C'est un look que dans le fond toutes les stars ont déjà porté, c'est un look vraiment glamour, pas autant que mon maquillage de vampire sexy que j'ai fait, mais un petit peu moins quand même. Puis ça, ben encore là, ça va être parfait pour le temps des fêtes. Bref, je compte vous faire d'autres maquillages correctifs. On a fait les yeux, on a fait le nez, mais il reste à voir les lèvres, les formes de visage, les sourcils, etc. Puis finalement, c'est sûr que je continue avec les capsules produits où j'ai testé la marque, trois petits points. Ça, c'est nouveau, je l'ai fait avec PB Cosmétiques, je pense que je l'ai fait un peu avec Elf aussi, je vais le faire avec plein d'autres compagnies, puis je veux faire aussi des vidéos de type mon top 10 des fonds de teint, ou sinon mon top 15 des ombres à paupières MAC préférées, des vidéos comme ça vraiment pratiques pour vous faciliter vos achats. Donc voilà, j'espère que le menu est à votre goût. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma vidéo, c'était vraiment la seule façon ou la plus simple et la plus directe que je pouvais entrer en communication avec vous, donc merci à celles qui l'ont écouter, puis sinon passer le mot aux autres pour qu'ils soient au courant. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde. Faut que j'aille dormir.